Bonjour tout le monde. Vous confirmez s'il vous plaît si vous entendez bien la communication. Comme ça, on commence. Avec un SMS comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Vous confirmez si vous entendez bien. Donc voilà, on peut commencer. On va voir aujourd'hui une autre classe chimique. Donc les hydrocarbures aromatiques qui complètent les hydrocarbures aliphatiques que nous avons déjà vus, les alcanes, les acènes et les alcynes. Donc là, il s'agit d'une classe qui est très importante sur le plan chimique. On va voir ensemble. Le support de base de cette classe chimique est le benzène. Par la suite, on va voir la définition générale de l'aromaticité ainsi que la règle qui définit cette notion, qui est la règle de Hückel. Par la suite, on va voir la réactivité chimique particulière, donc présentée essentiellement par trois volets. Tout d'abord, la substitution électrophile aromatique. Par la suite, oxydation des hydrocarbures aromatiques et la réduction de ces dérivés. Donc, on va commencer par le benzène. Donc, j'avais dit que c'est le support de base. Il est constitué par un hexagone avec 6 carbones cycliques. Cet hexagone présente 3 double liaison qui sont présentées d'une façon alternée, c'est-à-dire une double liaison suivie par simple liaison, par la suite une autre double liaison, ainsi de suite. Donc jamais deux double liaisons continues et jamais aussi deux liaisons sigma, deux liaisons simples continues. Voilà, c'est ça la notion de l'alternance dans le benzène. S'il vous plaît, vous confirmez à chaque fois avec les SMS si vous entendez bien, si la communication elle est bonne. Voilà. J'essaie d'admettre à chaque fois des nouveaux participants, donc juste vous me le confirmez. Très bien. Donc, on va commencer par le support chimique de base, qui est le benzène. Donc, vous voyez la structure dans la diapo. C'est une structure très simple, mais qui présente une particularité au niveau chimique et physique. On va bien définir aujourd'hui. Donc, quelques données tout d'abord historiques concernant ce motif. La molécule, elle a été découverte en 1825 par Faraday, qui chauffa l'huile de baleine à une température très élevée et il a obtenu cette molécule particulière ayant la formule C6H6. Cette structure, elle resta un mystère pendant près de 40 ans, jusqu'à la proposition de la formule réelle par Loschmidt et Kukulé en 1866. Donc là, on se rapproche de la forme réelle qui se présente aujourd'hui. Par la suite, des chercheurs découvrirent en utilisant la diffraction de X, qui est une méthode d'identification de composés chimiques, ils ont découvert que toutes les liaisons carbone-carbone de la molécule possèdent la même longueur, ce qui n'est pas compatible avec la présentation de Kukulé. Donc là, ça pose quelques questions et qui poussent les recherches par la suite pour bien déterminer la forme réelle. Donc les données thermochimiques par la suite semblaient incompatibles avec une formule à 3 double liaisons. Et de ce fait, la formule de Kukulé sera confortée par l'introduction d'un nouveau concept qui est la résonance ou bien la mésomérie, ou bien encore la délocalisation qui est définie en 1920. Et à ce moment-là, la structure elle est totalement élucidée vers les 1930. Donc c'est cette nouvelle notion de résonance qui a permis de bien définir la structure réelle de benzène. Voilà.
Voilà. Donc, concernant toujours la structure chimique, le benzène présente un hexagone avec 6 carbones, avec une alternance de 3 doubles liaisons, ce qui est la forme de cuculée. Et on a constaté que cette forme, elle ne correspond pas à la véritable structure électronique. Par la suite, on a déduit que cette forme de cuculée, elle correspond juste à l'une des formes limites à prendre en compte dans le modèle de Meissonnier. Ce n'est pas une forme fausse, mais quand même, elle est l'une des formes limites qui permet de se rapprocher de la forme réelle qui se présente aujourd'hui. Donc, on emploie généralement cette forme limite dans les réactions chimiques, dans le mécanisme réactionnel, pour bien déterminer les charges positives, négatives, pour bien localiser ces charges-là, et ce qui permet de suivre le déroulement de la réaction chimique par la suite, donc ce qui permet de bien comprendre le mécanisme réactionnel. C'est une forme qui va nous aider aussi en chimie organique, mais ça reste une forme approximative en quelque sorte. Donc, les formes limites de cuculée sont présentées par les formes que vous voyez dans la diapo, donc celle-là, qui est en équilibre avec la deuxième forme. Donc, vous voyez qu'il y a une alternance entre les deux formes limites. Donc, qui dit alternance, c'est-à-dire un équilibre permanent. Donc, un déplacement de ces doubles liaisons, au lieu de se retrouver ici, on va la retrouver ici. Et donc, juste deux formes limites qui sont appelées également deux formes mésomères, deux formes de résonance. Ces formes-là présentent dans la réalité la structure du benzène qu'on peut schématiser également avec un hexagone ayant un petit cercle à l'intérieur. Donc, il semble que cette structure chimique qui est déduite ici, elle est plus proche de la réalité. C'est-à-dire, c'est une forme qui va nous renseigner sur l'existence des doubles liaisons sur l'ensemble du benzène. Donc, pour bien comprendre ça, on va définir d'autres notions. Donc, la notion de résonance, la notion de planarité de cycle de benzène, qui permet de bien comprendre pourquoi cette forme elle est plus réelle. Donc, on passe pour toujours continuer avec la structure chimique du benzène. La molécule, elle semble parfaitement symétrique avec 6 carbones identiques, ayant des longueurs qui sont de l'ordre de 140. Donc, ici, les liaisons du benzène sont de même longueur, présentent 6 angles de 120 degrés également, donc des angles qui sont identiques, avec une hybridation sp2 pour l'ensemble des carbones. Donc tous les carbones sont dans le même état hybridé. Ceci dit que le benzène, dans sa globalité, c'est une structure qui est planaire. On remarque aussi que la longueur de 140, elle est une longueur intermédiaire entre une simple liaison et une double liaison. Donc c'est pratiquement la moyenne entre les deux. Et on va expliquer ça par la suite. Donc, c'est une théorie qui va renforcer l'existence de la résonance ou bien de la mésomérie entre les formes limites présentées par cuculée et qu'on va confirmer par la suite par d'autres notions qui sont découvertes par d'autres chercheurs. On passe maintenant à la nomenclature des hydrocarbures aromatiques. Donc, de façon générale, le nom générique de ces dérivés-là, c'est ARN. ARN pour dire qu'il y a des doubles liaisons, donc N, ça signifie qu'il y a plusieurs doubles liaisons, mais le terme le plus simple concernant cette classe, c'est bien sûr le benzène. Il ne s'agit pas de la seule molécule, mais du support le plus simple. Donc on a plein d'autres composés appartenant à cette classe. Donc, la plupart de ces hydrocarbures
possède ce nom qui termine par la terminaison n, donc il s'agit d'un nom qui d'usage, un nom qui vient par l'habitude, donc un nom qui est utilisé depuis l'Antiquité, qui existe toujours et qui ne respecte pas forcément les règles de l'UPAC ou bien le système international de nomenclature. Donc, on peut définir de cette façon le benzène, qui est le support le plus simple. À côté, vous avez le benzène substitué par un méthyle, donc ça nous donne le toluène. Donc, vous voyez toujours le suffixe "-ène", c'est-à-dire la terminaison particulière pour les hydrocarbures aromatiques. Et vous avez à côté le cumène, donc ayant toujours la même terminaison. Cette fois-ci, c'est un benzène substitué par un radical isopropyl, comme vous voyez dans la diapositive. Bon, les questions, c'est à la fin, hein. Essayez de suivre tout d'abord. Voilà. Concernant ces hydrocarbures aromatiques, vous avez des dérivés qui sont monosubstitués, ayant un seul radical. Donc, on peut donner des exemples. Vous avez le nitrobenzène. La nomenclature va indiquer le substituant comme radical, comme préfixe. Donc, nitro au lieu de nitronium, suivi par le radical correspondant, plutôt suivi par le nom de l'hydrocarbure principal qui est le benzène. Ça nous donne nitrobenzène. Vous avez à côté un autre dérivé ayant cette fois-ci le fluor. Là aussi, on va considérer le fluor comme radical. On va mettre fluoro, suivi par le nom du benzène. Vous avez à côté des dérivés, des substitués. Donc là, les substituants peuvent positionner plusieurs positions. On peut avoir une position relative 1, 2, 1, 3 ou 1, 4. Ce sont les seules positions concernant les dérivés des substitués et pour lesquelles on attribue généralement ortho pour la position 1, 2, le préfixe méta pour la position 1, 3 et le préfixe para pour la position relative 1, 4. Donc, la numérotation, elle doit suivre forcément la position des substituants. On doit attribuer les indices les plus faibles à cet ensemble de substituants. Si par exemple dans cette molécule j'avais un substituant par là, je dois mettre 1, 2, 3. Donc ce n'est pas forcément le sens des aiguilles d'une montre, mais plutôt la numérotation elle respecte la somme des indices qui soit le minimum possible. Voilà. On appelle ça des isomères d'opposition, pourquoi? Parce que vous avez la même formule brute pour l'ensemble des molécules, mais avec des positions différentes à chaque fois. Donc, pour les dérivés très substitués et pour les substitués, c'est toujours les mêmes règles qui s'appliquent. Vous avez des préfixes qui sont donnés plutôt pour l'ensemble des substituants et qui sont précédés par la position relative de chaque substituant. Par la suite, on va mettre le nom de benzène correspondant, donc le support de base. Mais avant ça, on doit bien sûr énumérer, donc indiquer les positions de ces substituants. Et on peut utiliser parfois le nom d'usage. Benzène, toluène, cumène, etc. C'est une chose que plutôt vous allez remarquer dans les hydrocarbures aromatiques, vous avez toujours l'utilisation de certains noms d'usage, comme il s'agit d'une ancienne classe. Donc là, vous avez quelques groupes particuliers qui sont les radicaux qui sont souvent utilisés. Vous avez le phényl et vous avez le benzyle. Deux radicaux qui sont différents via la valence. Pour le radical phényl, vous voyez que la valence libre, elle est portée par le carbone hybridé SP2, un carbone qui appartient au cycle. Donc là, c'est un radical qui est aryl. Donc, un radical qui appartient au cycle aromatique. Par contre, dans le benzyle, vous avez un CH3 en dehors du benzène. C'est celui-là qui porte l'électron célibataire. Donc, le greffage de ce radical se fait par le biais de ce carbone. Et de ce fait, il s'agit ici d'un radical qui est alkyle. La valence libre, elle est portée par le radical en dehors du cycle. Voilà, donc maintenant, c'est plutôt un radical alkyle au lieu d'un radical phényl. Donc, la valence, elle est portée par un carbone hybridé SP3
un carbone qui est en dehors du cycle est ce qui fait la différence par rapport à un film. Vous avez souvent l'utilisation de ce genre de radicaux dans la nomenclature. C'est pour cela qu'on insiste sur la différence, pour ne pas se tromper dans l'indication de certains radicaux. Et c'est important. Voilà, donc. Vous patientez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on continue toujours avec la nomenclature. Donc, c'est souvent l'UPAC qui est utilisé, mais parfois, on fait assister l'UPAC par certains noms d'usage qui existent comme benzène, phénol, benzaldéhyde. Ils sont souvent employés pour indiquer certains dérivés particuliers. Bien sûr, ce sont des dérivés ayant des fonctions différentes. Vous avez le benzène qui porte un hydroxyle, on appelle phénol. Le benzène ayant une fonction carboxylique, ça s'appelle acide benzoïque. Donc, vous avez ici que nous avons appliqué l'UPAC et le nom d'usage à la fin. Vous avez la fraction benz, c'est comme nom d'usage. Et en même temps, acide oïque, ça respecte l'UPAC. Donc là, vous avez une combinaison entre l'UPAC et le nom d'usage. Là aussi, c'est possible. Et vous avez, troisième exemple, acide para-hydroxybenzoïque. Donc là, l'hydroxyle est en position 4 par rapport à la fonction principale qui doit avoir le chiffre 1 dans la numérotation. Donc, dans la numérotation du benzène, je dois attribuer les indices de telle sorte à avoir l'indice le plus faible pour la fonction principale. Et en même temps, je veux que la somme soit le minimum possible entre l'hydroxyle et le carboxyle dans cet exemple. Et c'est toujours les mêmes règles qui s'appliquent. Alors, on passe maintenant pour bien traiter la structure chimique du benzène. Et pour bien définir cette structure, on doit définir la notion de résonance. Donc, qu'est-ce que c'est la résonance du benzène? C'est défini par l'existence des orbitales moléculaires P du benzène. Donc, nous avons tout d'abord trois doubles liaisons qui sont définies par la formule de QQLe. On avait dit que cette forme-là, elle est en quelque sorte défaillante. Elle ne définit pas la structure réelle du benzène. Donc, dans cette structure-là, on va trouver que les électrons P de chacune des doubles liaisons, ils sont capables de former d'autres doubles liaisons entre elles, c'est-à-dire d'une façon avec l'électron qui se trouve juste d'une façon, bon, plutôt avec l'électron qui est voisin. Voilà. Donc, en quelque sorte, nous avons trois doubles liaisons et entre ces doubles liaisons, les électrons peuvent former de part et d'autre d'autres doubles liaisons. Donc, c'est cette forme qui va traduire la forme réelle. Et cette nouvelle hypothèse qui va nous rapprocher de la structure réelle de la molécule du benzène. Elle est expliquée par une hypothèse de recouvrement des orbitales P 2A2. Donc, ça va concerner l'ensemble de la molécule, donc les six carbones. Ils n'ont pas trois doubles liaisons seulement. Ça va former des liaisons P à chaque fois. Ça va couvrir le benzène avec un nuage électronique dense. C'est le nuage électronique qui va donner également une certaine planarité de la molécule. Donc, du fait que les carbones sont hybridés chacun, une hybridation SP2, du fait qu'il y a recouvrement entre l'ensemble de ces carbones, donc en quelque sorte combinaison entre les électrons P de part et d'autre, cet ensemble va donner, va donner un nuage électronique qui lui est responsable de la planarité de la structure du benzène. Donc, vous voyez là, là c'est une vue frontale du benzène. On peut le voir de cette façon. Vous avez le carbone ici en bleu et vous avez à l'extérieur les liaisons hydrogènes qui sont présentées. Vous voyez que l'ensemble de ces carbones se trouve dans le même plan, de même que les liaisons portées de part et d'autre. Donc, c'est la résultante de l'hybridation SP2 de chaque carbone. Si on voit maintenant la même molécule d'une façon axiale, c'est-à-dire en faisant une rotation de
de 90 degrés de la première forme, j'aurai la présentation axiale. On va voir le benzène comme c'est un seul trait. Pourquoi? Parce que là, il s'agit d'une molécule qui est planaire. Elle se trouve dans le même plan. Et vous voyez que ce nuage qui est dense à ce niveau-là, il recouvre la totalité de la molécule. Donc, c'est ce nuage qui est la forme réelle de la molécule, c'est la conséquence de l'existence d'un recouvrement entre tous les carbones, entre tous les électrons célibataires portés par chaque carbone, ou bien entre les électrons P. Voilà. Et d'où la notion de parallélisme. On parle du parallélisme, c'est pour dire que les axes des orbitales P se recouvrent entre elles, se recouvrent entre eux pour donner une délocalisation très facile entre les électrons et de ce fait va imposer une géométrie planaire à la structure du benzène. Maintenant, pour cette nouvelle notion de résonance, on va définir à côté une énergie de résonance, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour avoir cette présentation. Donc, pour déterminer cette énergie, une hydrogénation du benzène a été réalisée. C'est une réaction qui a été faite en bloc, c'est-à-dire que l'ensemble des carbones ou bien l'ensemble des doubles liaisons qui existent sont hydrogénés à la fois, ils sont réduits dans la même étape en utilisant l'hydrogène en présence du nickel comme support. Bien sûr, le support métallique, il va présenter les hydrogènes carbone, il va faciliter la réaction de réduction. Et en même temps, vous avez d'autres conditions qui sont très, très rigoureuses, c'est-à-dire des conditions expérimentales vigoureuses, comme la pression. On doit opérer à une pression très élevée de l'ordre de 100 bars, avec une température très élevée de l'ordre de 100 degrés. Donc, ce sont les conditions nécessaires pour pouvoir réaliser l'hydrogénation du benzène. Et ceci va expliquer... va expliquer le fait qu'il s'agit ici d'un vrai recouvrement entre l'ensemble de ces carbones. Voilà, donc ce qui va renforcer ou bien ce qui va confirmer l'hypothèse de l'existence de la résonance. Voilà, donc cette hydrogénation qui se fait en bloc va donner le cycle hexane que vous voyez ici. Au cours de cette hydrogénation, nous avons défini l'énergie de cette réaction qui est l'énergie qui est une énergie égale à moins 210 kJ par mol. Nous avons comparé l'énergie de l'hydrogénation du benzène avec celle de cycle hexane. Et là, nous avons déduit que l'énergie... l'énergie nécessaire pour l'hydrogénation du cycle hexane est égale à moins 120 degrés. Donc, nous avons multiplié cette énergie fois 3 pour déduire l'énergie nécessaire pour l'hydrogénation du cycle hexane 3-5-3-1. Et là, nous avons déduit que l'énergie nécessaire était égale à moins 360 kJ par mol pour la cycle hexane 3-5-3-1. Donc, par comparaison de cette valeur avec celle-là, on va déduire que l'énergie de la structure hypothétique, donc définie par la résonance, elle est supérieure de 360 kJ par mol comparativement avec celle du cycle hexane. Et on peut interpréter ça dans ce diagramme. Donc, vous avez le cycle hexane considéré comme la valeur référence, valeur zéro. Et en faisant comparer l'ensemble des molécules traitées, on va déduire que l'énergie nécessaire pour le cycle hexane 1-3-5-3-1 est moins 360 comparativement avec celle de benzène qui est de l'ordre de moins 210. Donc, vous voyez déjà que l'énergie nécessaire pour l'hydrogénation de cette molécule ancienne qui est la forme de Kekulé, ou bien le cycle hexane 3-5-3-1, c'est une énergie qui est supérieure par rapport au benzène.
Ceci dit que notre molécule du benzène, elle est plus stable par rapport à la formule présentée par Kukulé, d'une part. D'autre part, ça explique que la forme présentée par Kukulé, ce n'est qu'une forme limite, ce n'est pas la forme réelle du benzène. Voilà. À partir de là, on peut déduire également qu'il s'agit d'une énergie, qu'il s'agit d'une différence de l'ordre de 150 entre la forme du benzène et la forme présentée par Kukulé. C'est une énergie de 150 kilojoules par mol. C'est une énergie de valeur positive. Ceci dit que le benzène il est plus stable comparativement avec la formule présentée par Kukulé. Donc, ce qui est juste l'une des formes limites par rapport au benzène. Donc, alors, voilà, donc. Le calcul de l'énergie de résonance permet de montrer d'une part que l'énergie de l'hydrogénation du benzène elle est inférieure à celle de la forme présentée par Kukulé. Ça permet de comparer les deux valeurs, ça permet de déduire également la différence et de ce fait calculer l'énergie de résonance, l'énergie nécessaire de passer de cette forme-là à cette forme-là qui est en réalité juste l'une des formes limites. Ce calcul permet de confirmer la notion de résonance ou bien la notion de mésoméré. Voilà. Donc, cette valeur qui est positive concernant l'énergie de résonance permet de mesurer l'accroissement de la stabilité que présente la molécule du benzène comparativement avec le cycle hexane 3,5-3,1. Et ceci est expliqué bien sûr par le caractère aromatique. Donc l'énergie de résonance élevée de benzène est interprétée par l'existence de deux formes mésomères limites, deux formes limites ou bien formes de résonance. C'est-à-dire ces formes-là se présentent en équilibre entre elles par simple déplacement des doubles liaisons. À partir de là, je peux avoir celle-là. Donc, la molécule, elle est en réalité présentée par plusieurs formes qui vont stabiliser en quelque sorte la forme réelle. Donc, on peut dire que la forme présentée par l'hexagone ici avec un petit cercle, c'est la forme du benzène réel parce que là, les électrons célibataires qui existent, ou bien les électrons P, les électrons qui vont former les doubles liaisons, ça concerne l'ensemble de la molécule. Et donc là, c'est la forme la plus réelle. Par contre, les formes présentées par Kukulé ne sont pas aussi des formes fausses, mais sont juste des formes limites concernant la même molécule. C'est-à-dire que cette forme-là, elle est en équilibre avec celle-là, et celle-là aussi, elle est en équilibre avec ça. Mais aucune d'elles, elle n'est fixe. La double liaison, elle n'existe pas comme ça, elle n'est pas stable comme ça, mais elle est délocalisée, elle tourne pour avoir ça, et vice-versa, et pour expliquer cette forme qui est réelle. Donc, quel est l'intérêt de ces formes de Kukulé? C'est que ces formes-là vont permettre juste de désigner les charges partielles positives et négatives au cours des réactions, chose qui est indispensable pour bien comprendre le bon déroulement de la réaction chimique. Voilà. Donc, les formes de Kukulé sont encore utilisées de nos jours, mais seulement dans les réactions chimiques. Mais pour bien désigner la structure du benzène, vaut mieux la présenter de cette forme-là. Donc, on passe pour voir les propriétés physiques. Donc là, le benzène, c'est un composé qui est liquide, incolore, d'odeur aromatique, une odeur qui est très, très particulière, qui est jugée agréable aussi. Elle est pratiquement insoluble dans l'eau, miscible à la plupart des solvants organiques.
C'est un excellent solvant en chimie organique. C'est un solvant qui est aprotique et apolaire. Un solvant qui est utilisé pour les réactions d'addition beaucoup plus. Et aussi un solvant pour un grand nombre de substances naturelles ou de synthèse comme les huiles, les graisses et les résines. Donc là, en quelque sorte, le benzène possède un caractère lipophile. Une analogie avec tout ce qui est graisse, et de ce fait, c'est un bon solvant pour les matières graisses, quelles que soient les résines, les huiles, etc. Donc, on va définir maintenant la notion de l'aromaticité selon la règle de Haeckel. Donc, ce monsieur est la permet de mettre les bonnes règles pour bien définir qu'est-ce que c'est aromatique ou non aromatique. Bon, historiquement, cette notion d'aromaticité fait référence à l'odeur qui est jugée agréable de ce composé. Mais en réalité, d'autres règles ont été établies par la suite pour bien faire la différence entre ces composés-là, qui sont d'odeur agréable. Donc, d'une part, nous avons la notion de résonance comme notion expérimentale. Donc, l'aromaticité, elle est d'une part basée sur l'existence de cette énergie de résonance. Et, bon, le son en train de couper. Est-ce que ça persiste encore, ce problème? Vous répondez avec un SMS. Le son en train de couper, oui, ça persiste donc. Peut-être pour toi. Bon, s'il vous plaît, vous répondez pour les autres. Il y a un problème? Non. Donc, je pense que c'est un problème personnel. Vous vérifiez votre micro, mademoiselle Hazorli. Voilà. On passe maintenant donc toujours avec la notion de l'aromaticité définie par Haeckel. Donc, problème de connexion. C'est pas le problème de tout le monde, de toute façon. Donc, l'aromaticité, elle est définie d'une part par la notion de l'existence d'une énergie de résonance. D'autre part, elle est définie expérimentalement par des règles très simples. Donc, d'une part, par l'existence de doubles liaisons alternées, c'est-à-dire des doubles liaisons qui ne sont pas cumulées. Et une double liaison suivi par simple liaison. Voilà, problème de connexion, c'est tout. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Vous entendez ou non? Alors, pour les autres, oui, vous entendez. Très bien. Donc, on continue. L'aromaticité, le problème est réglé. Très bien. On continue. L'aromaticité, elle est d'une part définie par l'existence de l'énergie de résonance, sans parler bien sûr de l'odeur qui est marquée, qui est jugée agréable pour l'ensemble de ses dérivés, mais définie donc par M. Haeckel en 1937 par deux principales notions. D'une part, l'existence de doubles liaisons alternées, c'est-à-dire des doubles liaisons non cumulées, et aussi par le respect de cette formule générale, la formule 4N plus 2 électrons P, avec N un chiffre entier. Il faut que l'ensemble des électrons P comptés sur la structure chimique soit égal à et soit correspondant à cette formule 4N plus 2. Je ne peux pas avoir un A et le N 1 sur 2, 1 sur 3, je dois avoir un chiffre entier. 0, 1, 2, etc. Donc, en allant de 0, mais un chiffre entier. On peut vérifier ça, par exemple, sur le benzène. Donc, vous voyez le compte. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en appliquant la formule de QQLé, j'aurai 4 fois 1, ça me donne 4. Plus 2, ça me donne 6 électrons P. La formule, elle est respectée ici pour le benzène, donc le benzène, il est défini aromatique.
Mais en même temps, je dois définir, plutôt, je dois vérifier l'existence de doubles liaisons alternées qui ne sont pas cumulées. Voilà. Bien sûr, pour les composés aromatiques, vous avez toujours des pics particuliers dans le spectre RMN. Donc, si on veut identifier ces dérivés-là, vous avez des pics avec un déplacement chimique très important. C'est-à-dire que le déplacement en ppm il est très élevé à partir d'une valeur de bon je veux dire une valeur élevée pour ne pas préciser parce que là j'ai oublié la valeur exacte mais c'est une valeur supérieure par rapport aux hydrocarbures aliphatiques voilà. Donc, concernant l'aromaticité, on peut voir quelques exemples. Vous avez le benzène qui est aromatique. Donc, on peut vérifier ici l'alternance des doubles liaisons. La formule brute, c'est plutôt la formule de Haeckel qui est respectée. Vous avez 6 électrons, donc ce qui est 4 fois N avec N égal à 1, plus 2, ça nous donne 6 électrons. On passe à la deuxième molécule. Vous avez une alternance entre double, simple liaison. Donc là, c'est respecté. Mais je dois vérifier aussi cette formule. Donc si je vérifie la formule, je ne peux pas avoir ce chiffre-là. Andy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 électrons, ça ne me donne pas 4N plus 2 avec un chiffre entier. Ce n'est pas possible. Donc là, la molécule, elle est non aromatique. La troisième molécule, c'est le cas contraire. Vous avez la formule qui est respectée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 électrons, ça correspond parfaitement à ça. C'est le même chiffre que pour le benzène. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une alternance à ce niveau. Vous voyez qu'il y a double, simple, double, par la suite, simple suivi par simple liaison, ce qui pose problème. Donc, cette existence de deux liaisons sigma alternées, ça, ne respecte pas l'alternance des doubles liaisons et donc la molécule, elle est non aromatique. Ces règles-là, définies par Haeckel, ont été appliquées au début pour les monocycles, mais ensuite étendues aux composés polycycliques. Et ça a été vérifié. Bon, ces composés polycycliques doivent avoir tout d'abord l'alternance et double liaison, le respect de la formule de Haeckel, et en même temps, on va trouver pour ces composés-là qu'il y a toujours cette odeur aromatique agréable. Ce caractère aromatique implique une stabilité plus élevée par rapport à d'autres molécules qui ne sont pas aromatiques. Et ceci vis-à-vis les réactifs chimiques et vis-à-vis la température également. On peut vérifier ça par simple comparaison entre les alcènes et le benzène. On va déduire que pour le benzène, vous avez un composé qui ne réagit pas facilement avec les halogènes, sauf dans des conditions particulières, sauf si on va rajouter des catalyseurs comme le rayonnement ultraviolet, comme la température très élevée, et que le benzène ne s'oxyde pas facilement également. D'ailleurs, on va voir ça dans la partie réactivité chimique. Mais pour les alcènes que nous avons vus la fois passée, ce sont des composés qui sont peu stables à une haute température. Donc là, sont plus réactifs comparativement avec le benzène. Ils réagissent très facilement avec les réactifs, avec les acides, les halogènes et les oxydants, toujours en comparaison avec le benzène. Donc là, le caractère aromatique va entraîner une certaine stabilité pour les composés correspondants, que ce soit pour le benzène ou les dérivés polycycliques. Alors, le benzène, qui est le monocycle le plus simple, c'est une structure qui est planaire, constituée de trois doubles liaisons que vous voyez à ce niveau-là. Les doubles liaisons qui ne sont pas fixes comme ça, qui sont délocalisées, c'est-à-dire ils changent leur position. Donc, la présentation la plus juste est celle-là, avec un cercle à l'intérieur, un cercle qui présente les électrons P. Ce sont des électrons qui concernent l'ensemble de la molécule et qui sont responsables de la planéité, la forme planaire de cette molécule. Donc, pour avoir ça, vous avez bien sûr le parallélisme. Vous avez les orbitales P que vous voyez ici. Les orbitales
paix qui vont former un recouvrement axial entre eux. Ce recouvrement va donner la planarité de la structure du benzène. Tout d'abord, un recouvrement qui est parallèle. Vous voyez que ça se fait d'une façon juxtaposée par rapport à la liaison sigma dans l'ensemble de la molécule. Et par la suite, l'ensemble de ce recouvrement va donner la planarité de la molécule avec un nuage électronique très dense qui va recouvrir la molécule, qui va donner également un caractère nucléophile. Ça correspond à une charge négative très élevée. Et d'où les réactions de substitution électrophile qu'on va voir par la suite. À côté de cette forme-là qui est plurielle, vous avez les formes cuculées qui sont encore utilisées de nos jours dans les réactions chimiques. Bon. On va patienter, le temps de régler le problème. Alors, participants. Est-ce que vous entendez? Vous plaît, vous confirmez un SMS si vous entendez. Comme ça, on a très bien. Donc, c'était juste un problème de connexion, pardon. Donc, on va continuer avec. On va continuer avec toujours la structure chimique du benzène. J'avais dit que cette forme-là, c'est la forme la plurielle qui va présenter notre molécule aromatique. Les deux formes de cuculées, ce sont des formes qui sont souvent utilisées dans les réactions chimiques pour désigner les charges partielles positives et négatives. Et vous avez à côté les formules de Dewar. Ce sont les formules les plus anciennes qui ne sont pas utilisées de nos jours. Donc, pour ça, c'est juste comme rappel. On passe maintenant pour traiter la partie la plus importante, non seulement pour les hydrocarbures aromatiques, mais pour toutes les fonctions qu'on va traiter dorénavant. Donc, c'est la réactivité chimique. Voilà. Donc, concernant les hydrocarbures aromatiques, sont vraiment particuliers de par leur réactivité chimique. Et là, on va distinguer trois grandes réactions. Vous avez la substitution électrophile aromatique, vous avez l'oxydation et vous avez encore la réduction. Commençons par la substitution électrophile aromatique. Donc, là, c'est en quelque sorte, c'est un rappel parce que nous l'avons déjà traité dans le mécanisme réactionnel. Quand même, on va donner quelques rappels. Vous avez le benzène qui présente ses électrons P dans l'ensemble de la molécule. Les électrons qui ne sont pas fixes mais qui sont en permanente délocalisation et concernent l'ensemble de la molécule, d'où le nuage électronique très dense et d'où une charge négative très importante pour la molécule. Donc, attribuant de ce fait un caractère nucléophile au benzène. Ce caractère est le responsable de l'attaque électrophile envers les entités chargées positivement, c'est-à-dire envers les réactifs électrophiles. Donc, c'est une attaque qui va donner un remplacement d'un hydrogène par un autre électrophile, donnant le benzène substitué. Donc, là, c'est le schéma général de réaction qu'on va traiter. Mais pour le mécanisme, on va voir qu'il y a trois étapes. Donc, le réactif utilisé à ce propos, c'est un électrophile possédant soit une charge partielle positive ou une charge totale. Il s'agit plus généralement d'une molécule avec atomes à caractère électrophile. Ça peut s'agir d'un dérivé halogéné, un composé insaturé polarisé. Donc, c'est une molécule qui est le fournisseur de cet électrophile. Donc, pour générer l'électrophile, on aura besoin du catalyseur qui sont à ce niveau soit des acides protoniques forts, l'acide sulfurique et l'acide phosphorique, soit des acides de Lewis. Donc, en fonction de la catégorie de la réaction. On peut utiliser des acides de Lewis, c'est-à-dire des acides ayant des lacunes électroniques vides, comme le cas pour le AlCl3, FeCl3, etc. Quel que soit
Le métal, à ce niveau, il présente sept lacunes et entouré par trois halogènes. Donc, en fonction de la nature de la réaction de substitution électrophile, le catalyseur change à chaque fois. On peut avoir tout d'abord l'alkylation. Là, on fait remplacer l'hydrogène par un radical alkyle. Et l'acylation à côté, il s'agit du remplacement de l'hydrogène par un radical acide. Les deux réactions font utiliser un catalyseur de Lewis, qui est le AlCl3. Vous avez à côté l'halogénation. Là, on fait remplacer un hydrogène par un halogène. Ça doit se faire également en présence d'un catalyseur de Lewis, AlCl3, AlBr3, etc. Bon, vous avez par la suite la nitration, une réaction qui fait remplacer l'hydrogène par un nitronium et ça se fait en présence d'un acide fort qui est l'acide sulfurique. Une réaction de sulfonation qui concerne le remplacement d'un hydrogène par un sulfonium. Là, c'est une réaction qui fait réagir le sulfonium en présence de l'acide sulfurique comme acide fort. Donc, la nature de l'électrophile change à chaque fois. On peut utiliser un électrophile provenant d'un dérivé halogéné, un électrophile provenant d'un halogène, ou un électrophile qui est généré par l'utilisation des acides forts. Donc, ce qui diffère à chaque fois, c'est cette nature de l'électrophile et aussi la nature de catalyseur. Donc, un rappel général et rapide concernant le mécanisme. Vous avez la première étape qui est l'attaque électrophile à partir du benzène. J'avais dit qu'il s'agit d'une entité chargée négativement, attaque très facile sur l'électrophile. Ça peut se faire à partir de n'importe quel double liaison. Vous avez trois doubles liaisons. Donc, là, c'est la formule de Kukulé qui est utilisée. Et d'où l'intérêt de ces formules.